Bonjour à toutes et à tous. Ce mois-ci, le thème est la prévention et le traitement des maladies. Mais avant tout, je voudrais vous dire que nous sommes aujourd'hui dans un lieu atypique, qui est nouveau, où germent à la fois des idées et des projets d'action. C'est le Local, qui est devenu le centre de rassemblement et de réunion de Rotariens et de Rotaractiens. Le 24 octobre, lors de Polio Plus, une action est née, c'est d'offrir, au travers d'une pinte de bière, deux vaccins. Qui l'avait imaginé avant, eux l'ont fait. Par ailleurs, je voudrais vous dire aussi toute l'admiration que j'ai pour vous et vous dire bravo. Bravo parce que, encore une fois, la Banque Alimentaire a été un grand succès grâce à votre engagement, grâce à tout le cœur que vous y avez mis. Et cette année encore, le Rotary a brillé grâce à vous dans ce domaine si compliqué d'aider les autres qui n'ont rien. Venons maintenant à notre thème du mois, la prévention des maladies. C'est quelque chose que nous maîtrisons au Rotary. C'est quelque chose que nous avons l'habitude de traiter. Car que ce soit les bourses que nous donnons à des étudiants qui deviendront des médecins, qui se rappelleront que le Rotary les a aidés lors de leurs études et qui feront tout pour que les personnes soient soignées. Mais je dirais aussi tout ce qui est financement de la recherche et en particulier la recherche sur les maladies neurodégénératives qui sont des maladies sur lesquelles nous investissons beaucoup au travers d'Espoir en Tête. Espoir en Tête qui, je vous le rappelle, aura lieu le 31 janvier. Et là, je compte sur vous, car c'est une action importante. Mobilisons-nous, ce sera véritablement un grand moment. Le traitement des maladies, là aussi, les Rotariens savent faire. Les Rotariens ont toujours été là où il y avait quelque chose à faire pour que la population soit mieux. Eh bien, une des choses particulières, c'est par exemple l'intelligence artificielle dans le traitement de handicap. La capacité de financer des associations qui s'investissent pour accompagner les malades. Mais c'est aussi faire le post-opératoire, le post-maladie, parce que c'est un moment important. Quelqu'un qui sort d'une opération a besoin de retrouver son corps, a besoin de se réinventer la vie. Alors les Rotariens sont aussi à ce niveau très, 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 très présents. Je terminerai avec une date que vous devez tous marquer dans vos calepins dès aujourd'hui, le 28 mars 2020. C'est le Rotary Day avec la présence du président international qui a mis, comme vous le savez, son année sous le signe du 75e anniversaire de l'ONU. Et cela se passera à l'UNESCO. Et je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Profitez bien de ces semaines de joie, de bonne humeur, de sourire, des enfants, des petits-enfants. Le rêve de Noël est toujours quelque chose que nous apprécions. À bientôt. Merci.